Salut tout le monde et bienvenue dans une nouvelle vidéo de Collision 15. Aujourd'hui nous allons faire un revue sur centre d'entraînement Rusty's Flash McQueen. La mauvaise traduction de lui est centre de course Rusty's Flash McQueen, qui traduit l'anglais qui est Rusty's Training Center, Rusty's Racing Center, Lightning McQueen. Voilà. Qui est la version de 2022. Genre pas la version mais l'emballage est 2022. Celle-là elle est ici depuis 2017. Alors, commençons avec son emballage. Il a une image posée sur le circuit rouge de Retro Red, qui est le nom que j'ai donné à la série 2022. Donc voilà, ça c'est où ils ont placé son nom. Avant c'était placé ici, mais ça vous le savez déjà si vous regardez mes vidéos. Metal au dos, inspiré de Cars 3. Son image de prototype, toutes ces traductions, ce nouveau logo de merde, il est plus nouveau mais logo de merde, à chaque fois je vais dire logo de merde, RSN, le code barre, fabricant Thaïlande, et je serai de retour avec ce McQueen sorti de son live. La McQueen sorti de son live, il est vraiment trop bien. Voilà. Je me rappelle pas quand j'ai fait la tier list des Flash McQueen, je me rappelle pas quelle place il était, je crois qu'en A il était, je me rappelle pas. Mais en tout cas, je crois qu'il était en haut, s'il était un peu bas, je suis vraiment très con. Commençons sans vue, donc déjà, voilà où il apparaît dans Cars 3, genre là c'est une apparition au pif. C'est, en vrai dire, le McQueen le plus principal, d'ailleurs, le McQueen principal c'est celui-là, mais genre celui-là, c'est celui qui apparaît le plus. Mais en fait, techniquement c'est celui-là. Parce qu'en fait, celui-là, c'est. Ils ont pris. C'était cette peinture qu'il avait. Et après, ils ont mis une couverture. Ils l'ont fait fondre sur lui. Donc, c'est devenu une nouvelle peinture. Et après, pendant qu'ils étaient dans la forêt, il a commencé à rouler à côté de. Comment on appelle ça? De troncs d'arbres. Genre, branches, pardon. Voilà, branches d'arbres. Et ça a commencé à déchirer la peinture. Et après, elle s'est complètement déchirée quand il a sauté. Et il est redevenu ce McQueen. Commençons sans revue. Donc, il a une magnifique expression, vraiment très déterminée. J'aurais aimé qu'il donne cette expression à tous les gens, plus de McQueen. Genre le fabuleux McQueen, ouais, non, en vrai, je sais pas, mais genre une expression genre sur d'autres McQueen, genre pas que celui-là. Cette magnifique peinture rouge métallisée, il est vraiment trop bien. Le logo Rusty's en doré, ses phares, ses pneus, ils sont pas métallisés malheureusement. Le logo aussi, mais vraiment il a une texture bizarre. Alors quand ici il y a écrit Rusty, je sais pas si vous voyez. Ouais, mais regardez ce reflet. Putain. Rusty's 95 en rouge. L'éclair en doré. Rusty's, mais regarde, ça c'est trop bien. Regarde en arc-en-ciel mon gars. Non mais ouais. 95 Rusty's. Le Rusty sur les blancs, Rusty sur le toit, Lightning McQueen, Flash McQueen. Et voici son châssis. Il a deux trous, j'en ai pas parlé dans ma vidéo avec le McQueen de Noël. Ça, je vais en parler dans une future vidéo quand je vais acheter un nouveau pack qui est sorti, un pack de deux voitures, qui est McQueen et Martin. Je vous mettrai une image sur l'écran. C'est Martin, genre Martin normal, comme on le connaît, genre celui-là, le normal. Mais avec un crochet plus grand, comme ça il pourra dépanner McQueen. Et le McQueen, c'est un McQueen de 15 ans. Mais genre, avec la. Et genre, ça lie un peu. Et un peu l'expression de celui-là. Après, c'est l'expression de celui-là. Et l'attache de coudron. Voilà. Et Martin, c'est la même version, mais en version Thaïlande. Avec le crochet, ça c'est la version en Chine que j'ai acheté depuis longtemps. Et son crochet est un peu plus grand. Et genre, avec le connecteur, mais maintenant ils le mettent sur tous les McQueen. Comme ça, vous pourrez utiliser avec Martin, avec tous les McQueen. Mais on va tester en avant-première. Est-ce que ça marche avec un McQueen? Et genre, l'ancien Martin. Genre, ça marche avec le nouveau Martin. Mais est-ce que ça marche avec l'ancien Martin? Oh putain, ça. Genre, c'est ça en fait. Regardez. En fait, ça va être à peu près ça. Voilà, vous voyez. Et vous-même, vous pouvez l'accrocher de devant. Ah, je crois que de devant. Oh là, non, ça. Oh putain.
Ouais, mais ça, de devant, ça marche en vrai. Voilà. Ouais, même de devant, ça marche, mais c'est un peu plus dur. Ouais, mais ça, ce sera dans la vidéo où je vais acheter le nouveau Martin. J'espère de l'acheter bientôt. Je ne l'ai pas encore trouvé, mais dès que je le trouve, je l'achète. Et je vous fais une vidéo dessus. Donc, on va comparer son rouge à d'autres voitures. Donc, rouge de course Sally. Non, il n'a pas le même. Dennis Carver, version métallisée, pas du tout. Jackson Storm, ça a la même couleur que Sally. Donc, non. Flash McQueen, version Noël. Non. Et voilà, c'est impossible que ça soit la même. Un quoique, un peu presque. Voilà. Donc, voilà tous les McQueen de Cars 3 que j'ai. Ça, c'est la version dorée de Rusty McQueen que je l'ai bientôt acheté si je peux le retrouver. Parce que je l'ai pas acheté il y a plusieurs fois et maintenant je regrette. Donc pour l'instant, tous les McQueen que j'ai. Entre les gars, merci d'avoir suivi. Comme d'habitude, vous likez et vous abonnez. Et moi, je dis à la prochaine pour plus de voitures 2022. Salut tout le monde.